Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire aujourd'hui partager mes derniers achats en matière de miniatures. Donc il y a quelques blisters, 5 au total. Vous allez voir du blister Hot Wheels. Oui, pourquoi? Parce que lorsque je vous ai fait la vidéo entre guillemets coup de gueule sur les finitions Hot Wheels, la vidéo je l'ai tournée je sais plus quel jour, et je l'ai mis en ligne le même jour. Donc il n'y a pas le mois et demi de décalage entre le tournage et la mise en ligne habituelle de mes vidéos. Ce qui fait qu'entre temps, j'avais trouvé des blisters Hot Wheels. C'est pour cette raison que vous allez en voir quelques-uns là lors des prochaines vidéos. Quelques-uns que de toute façon vous aurez peut-être vu pour certains puisqu'ils ont les finitions. Pour d'autres, certainement pas. Alors bon, on attaque de suite. Donc il y a du Hot Wheels, il y a du Majo, et on attaque de suite avec les 3 blisters Hot Wheels. Alors, c'est du déjà vu, hein, bien entendu. Hein, le premier blister Hot Wheels de ce lot, c'est la Volkswagen SP2. Donc là voilà, c'est du 2019, vous l'avez tous déjà vu sur quasiment toutes les chaînes à l'heure actuelle. Donc celle-ci, voilà, par exemple, vous voyez, au jour d'aujourd'hui, je ne l'aurais peut-être pas prise. Malgré qu'elle me plaît beaucoup, sa couleur vintage années 60, hein, vous savez, moi je sais pas, ça me fait penser à de la tapisserie style années 60, mais sa couleur, malgré qu'elle me plaise beaucoup, je ne l'aurais peut-être pas prise. Et parce que donc là, c'est nu. Sur le capot, y a du alistampo sur le capot. Les jantes sont nickel. Vous avez le petit Hot Wheels sur les avant. Deux bandeaux, orange et noir sur le bas de caisse. Et derrière, c'est nu. Mais la forme originale de la voiture, et c'est surtout la première que j'ai dessus. Et le châssis. Le châssis plastique noir. Volkswagen SP2, c'est du 2019 et c'est la 10 sur 10 de la série Volkswagen. Allez, le deuxième blister Hot Wheels de ce lot, alors celui-ci, c'est un exemple d'un blister que j'aurais pris, et bien entendu je l'ai pris. C'est le Land Rover série 3 Pickup, c'est la série Hot Trucks et c'est la 3 sur 10 et c'est la série 2019. Alors il est chouette, hein, il est très très chouette. Il est rouge et blanc. Il a le toit, il est blanc. Dans la caisse, nous avons une roue de secours. Les jantes, là aussi, sont superbes. J'aime beaucoup. Les pneus sont pointés. Donc, c'est sympathique. À l'avant, on a la finition. Vous voyez les optiques. Voilà. Je regarde. Il y a même les clignotants qui sont également faits en orange. En bas à droite des optiques. Voilà. Et à l'arrière, regardez, la finition est également faite. Donc un bon petit blister Hot Wheels. Voilà. Très joli. Et les pneus crantés, c'est de très bon goût pour un véhicule de ce type. Bon, là où ça pêche un peu, c'est le châssis, c'est plat de chez plat, mais bon, alors là, c'est vraiment le dernier de mes critères. Le châssis, ça m'empêchera jamais de prendre un modèle. Le Land Rover série 3 Pickup. Voilà pour le deuxième blister Hot Wheels. Le dernier, alors ça, c'est un véhicule inventé, mais ce sont des véhicules que j'aime beaucoup. Je commence à en avoir un petit peu, hein. Je sais pas, 4, 5, 6 peut-être. C'est un Bone Shaker, c'est la série Game Over et c'est le 4 sur 5 de l'année 2019. Et il est très très sympathique, il est rouge foncé, limite bordeaux, hein, couleur lit de vin. Voilà, il y a un petit trait doré sur le haut des jantes. Un petit tempo, il a le numéro 3, vous avez une tête de mort. Juste à côté du numéro, une petite tempo noir et rouge.
L'avant, ben, on a le crâne caractéristique des bonnes shakers, chromé, avec les sorties moteurs, les pots d'échappement. Par contre, ce qui est, ouais, après c'est un véhicule inventé, mais ce que je trouve un peu pas vraiment, c'est l'intérieur chromé également. Bon, c'est la même pièce, hein, sans pour casser la tête, châssis. Le châssis, tout ce qui est chromé, c'est la même pièce. Voilà. Et dessous, châssis noir. Voilà. Et le dessus, ouais, je voulais pas. Si, je voulais montrer. Bon, c'est un bon checker et j'aime beaucoup les bonnes checkers. Voilà. Voilà pour le dernier blister Hot Wheels. Allez, deux blisters Majo à vous présenter maintenant. Donc, la première, c'est un Premium Cars. Et c'est la Porsche Panamera Taxi. La voici. Et elle est très très sympa. Donc, dans sa livrée traditionnelle, un taxi. Voilà. Donc, vous avez, comme tous les véhicules premium, la petite carte technique du véhicule. Et la miniature en elle-même. Voilà. Jolie. Alors à l'avant, les finitions, voilà les optiques, le sigle Porsche, le dessus avec c'est la rampe signalétique taxi. Voilà. Très joli. Et derrière il y a les optiques de fait et on a inscrit pour jouer à l'ennemi Porsche au-dessus. Voilà. C'est un beau, beau véhicule, il y a deux ouvrances et les portières. Voilà pour le premier blister Majo. Et le deuxième donc de ce lot, là encore c'est du Premium Cars. Et j'en ai déjà une en série racing. Et là, c'est l'Audi A1 en Premium Cars aussi. La voici. Très très sympa. En bleu. Alors c'est pas un bleu mat, hein, c'est un bleu brillant. Et elle a les... Des espèces d'arceaux, hein, les montants du pare-brise avant et arrière sont en argent, en gris métal. Donc là encore, elle a deux ouvrants, sont les portières, les finitions à l'avant sont tip-top, vous voyez, anti-brouillard, sigle Audi et optique. Voilà. Le dessus, l'arrière, c'est pareil, on retrouve les optiques et le sigle Audi. Alors je regarde si on a d'autres choses. Non, il n'y a rien d'autre d'inscrit. Très très joli dans ce bleu là. Voilà. Et le châssis est, ma foi, le châssis il est assez plat. Hein. Ouais. Il y a du dessin, mais c'est très très peu en relief. Hein. Voilà pour l'Audi A1 avec toujours hein, sa petite carte technique. Pardon. Bien voilà les amis, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut !